Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Donc nous sommes le vendredi 7 avril. Donc là je vais tester les petits bonbons pour les chats que Emmanuel nous a envoyés. Et du coup bah voilà, je leur en donne quelques-uns des deux paquets pour leur faire goûter. Bon écoutez, elles les ont mangés. Bon je vois que Kimi elle a du mal, mais elle a toujours du mal à manger. Donc voilà. Donc c'est parti pour passer une journée avec nous, comme d'habitude. Il est trop marrant. Mais ils sont bons. Oh regarde comment ils vont. Ils sont bons. À côté.
Bon, voilà l'état du maillot. Des chaussettes. Les chaussettes, c'est horrible. Elles sont noires de chez noires. Et elle là-bas qui vous envoie promener. Regardez. Elle est un peu floutée. Bah, mange. Bah, vas-y, hein. Salut. Les mouilles pour mettre le produit. Voilà la différence. Toute la crasse qui est partie juste en frottant avec le savon entre les deux chaussettes. Coucou tout le monde, je vous prends pour vous terminer ce vlog. Je suis en compagnie de... Ah, tu rigoles pas là? Tu rigoles pas comme le chat qui pète? Regarde-moi, regarde-moi. Elle regarde des vidéos, essaye de ne pas rire, mais elle est morte de rire. Elle n'arrive pas à se retenir à chaque fois. C'est trop drôle, craque-le pas hein. Du coup, je vous ai pris plusieurs fois aujourd'hui. Je vous ai pris à quel moment? Je vous ai pris tout d'abord au matin quand je venais de me lever. Parce que j'ai fait goûter les croquettes. Doucement! Les bonbons aux chipettes. Donc un... Non, les deux. Ouais, j'ai fait goûter les deux que Emmanuel elle nous a envoyés en fait. Donc j'ai fait goûter aux chipettes. Elles ont tout mangé, donc je suppose qu'elles aiment bien. Il y en a une qui avait été vomir en haut, mais bon. C'est possible que ce soit le saumon, parce qu'elles n'aiment pas trop le poisson, donc c'est possible. Ou alors après, c'est autre chose. Hein, ça peut être leurs poils. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est à cause des croquettes, mais elles se sont régalées, elles ont tout mangé. Donc voilà. Moi, j'ai remis mon parfum. Je l'aime trop, il sent trop bon. Pourtant, je suis pas trop parfum, hein, je vous le dis. Mais franchement, il sent super bon. Après, il y en a beaucoup qui connaissent cette marque. Et vous êtes plusieurs à dire que vous aimez beaucoup cette marque. Vas-y, montre-moi. Donc, Montre-moi. Non, mais 2 minutes, chérie. Arrête de courir, s'il te plaît. Donc, du coup, je vous ai pris en faisant tester les croquettes aux chipettes. Donc, comme je vous ai dit, elles ont adoré. Elles ont tout mangé. Ensuite, je vous ai filmé quoi? Bah, en fait, après, on s'est levé de bonheur hein, avec Mel. Hein? Ouais. On dit pas. Si. Oui. De quoi? Tu racontes pas? Bah, oui. Donc, on s'est levé à quelle heure? À 9. Ah, toi, je t'ai réveillé. Petit point.
de petite fois à 00. Toi, je t'ai réveillé à 9h. Moi, je me suis réveillée un peu avant. Donc, parce qu'elle avait dormi très très tard. Donc, j'ai cru qu'elle n'allait pas réussir à se lever, mais elle a réussi à se lever quand même. Donc, on a été à son rendez-vous. Je crois que j'ai entendu le réveil de Mimi. Elle avait un rendez-vous, donc un examen. Je vous avais dit qu'elle avait un examen normalement bientôt. Un examen, mais on ne le dit pas. Donc, elle avait son rendez-vous ce matin. Donc, les résultats sont bons, il n'y a rien. Donc, c'est super. Et ensuite, on a fait quoi dès qu'on est sorti de l'examen? Qu'est-ce qu'on a fait? On a été voir les canards pour leur donner des bouts de pain. Un petit peu, hein. On n'en a pas donné trop parce que. Ouais, il y avait un canard, on dirait qu'il était mauvais. Mais mauvais. Il avait les yeux rouges et tout, comme elle flippait. Camille, elle a trop peur des canards. Donc Camille, elle restait à l'entrée du parc. Et elle voulait même pas avancer avec nous. Et à un moment donné, il y a un canard qui est sorti du parc. Il a été rejoindre d'autres canards en face de l'autre côté, ouais, de la route. Alors Camille, elle était pas bien. Après, elle m'a dit, on y va, parce que là, c'est bon. Et moi, j'aime trop. Ils sont trop beaux. Franchement, le petit parc-là, il est trop beau. Et avec les petits canards. Un jour, on peut jouer au ballon à l'intérieur? Non, on peut pas. Ah non, tu vas faire peur au canard. C'est interdit. Ah, tu vas faire peur au canard. Bah, quelque part là où c'est pas au canard. Déjà là, il y a des personnes qui promènent leurs chiens. Bah, ils ont le droit de promener leurs chiens. Ouais, mais les chiens, ils ont pas le droit de faire coco et tout. Ou au pire, on fait une petite journée à côté des canards. Parce que j'ai repéré deux sièges. Ouais, parce que tu peux juste regarder les canards, mais je pense pas que Camille va vouloir passer longtemps avec les canards. Ouais, bah, au mais pire, c'était bien. Avec papa. Après, c'est parce que voilà, c'est à. Il y a 20 minutes en voiture, on va dire, de la maison. Et c'est parce que le rendez-vous, il était là-bas en fait. Christophe, il se demandait où j'étais parce qu'en fait, il croyait que j'avais rendez-vous avec Mel à Douai. Je lui dis, bah non, c'était à Hénin-Beaumont. Donc, c'est pour ça que. Il savait pas où j'étais en fait, vraiment. Donc voilà, du coup, on a été voir les canards. Ensuite, on est rentré à la maison. J'ai pas mon petit déjeuner déjà. Ouais, avant de partir. Bon, mais elle a pas dormi. Elle était fatiguée, mais elle a pas dormi, donc ça c'est bien. Moi, du coup, j'ai bu mon café, puis après j'ai débarrassé un petit peu. Bah, je vous ai filmé après. Hein. Je suis fatiguée encore un peu plus. Que j'ai fait du linge, j'ai nettoyé mes litières, j'ai fait ma vaisselle, enfin voilà. Camille, elle s'est endormie, elle était fatiguée parce qu'elle avait dormi très tard aussi, et en plus, elle était pas bien du tout aujourd'hui. Elle a mangé en fait des chips à l'oignon hier et elle pense qu'ils sont mal passés, donc elle est pas bien. Bon, je vous dis pas ce qu'elle a, mais je pense que vous avez compris, hein. Donc très mal au ventre et voilà, que de faire d'aller aux toilettes, et elle avait vraiment mal au ventre aujourd'hui. Donc voilà. Sinon je vois un massage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah après je vous ai filmé. J'ai une idée de vidéo. Vas-y. Bah après, tu me le dis après, tu le dis pas devant tout le monde. Non, je vais le dire ici à ton oreille. Attendez. Bon, du coup, ouais, après j'ai fait mes bacs à litière, tout ça. J'ai fait le linge, là, je vous ai montré avec le savon magique. Du coup, en fait, je vous montre, juste à frotter avec le savon, elles étaient noires ces chaussettes. Je dis, mais c'est pas possible, je vais même dire stop. Il a pas mis que ses chaussettes dans ses crampons pour aller au foot. En fait, il a dû aller dans le jardin à chaussettes, c'est obligé, comment elles étaient noires. Et du coup, rien qu'à frotter avec le savon, hein, vous avez vu sur la vidéo, même ma douche a été noire. Bref, moi je me suis un peu coupée, on va dire, le doigt, parce que tellement je frottais, c'était un petit morceau au début, donc tellement je frottais, ça a râpé là, en fait, ça faisait mal. Mais bon, je vous montre du coup les chaussettes là après. Donc bon, elles sont pas nickel, hein, mais regardez quand même, quoi, il y a une grosse différence avec ce que je vous ai montré dans la douche. Comment elles étaient noires, et là comment elles sont bah, propres, hein, clairement, hein. Bon, après, c'est usé à force, hein, forcément, donc c'est pas nickel. Mais franchement, bah, après, c'est déjà. Vous voyez, il y a une différence, hein, c'est blanc et un peu gris. Mais elles sont vraiment toutes propres. Franchement, bon, je vais pas vous le répéter 50 000 fois, mais moi, je l'adore ce savon magique. Il est vraiment magique, c'est le cas de le dire. J'ai lavé les combis des. Non, j'ai lavé les combis des deux grands, donc Mathieu, là, le salamèche qu'il a récupéré à mon frère et qu'il met tout le temps, et Camille son stitch, mais du coup je suis obligée de les accrocher sur ma barre à rideau parce qu'ils sont tellement longs que sinon ça traîne par terre en fait. Donc j'ai fait le singe encore sur ma table et j'ai été les accrocher là-haut. Voilà, les deux costumes des... les deux pilous quoi, des deux grands.
Donc voilà, je sais plus si je vous avais dit, mais elle voulait à tout prix. Elle voulait à tout prix que j'achète une robe pour l'anniversaire de mon frère. Bon. Alors qu'on est juste entre nous, hein, avec mes frères et sœurs. Voilà quoi. Ma mère, ma tante, c'est tout. On n'est pas non plus beaucoup, quoi, je veux dire. Parce que même mon beau-père, mon autre frère, et puis mon beau-frère et tout, ils vont à la pêche. Donc ils sont partis à week-end à la pêche. C'était déjà prévu depuis très longtemps, c'est pour ça qu'ils sont pas là. Hein. Bref, et qu'est-ce que tu veux? Hey, tu sais que t'es pénible, je te jure. Hein. T'as vu Delphine, elle veut mettre tes pantoufles. Tiens, tiens le téléphone 2 minutes, sinon je peux pas. Voilà, tu leur dis bonjour, tu parles. Bonjour. Mais sinon, je peux pas couper un film. Elle filme pas n'importe quoi. Je sais. Tu peux parler avec les abonnés? Ouais, mais je sais pas quoi leur dire. Mais ils t'aiment bien, alors parle avec eux. Allez. Je fais quoi de signe? Je me demande si ça va. S'ils pensent qu'ils vont avoir des bons chocolats par le lapin de Pâques. Bah ouais, j'espère bien, moi. Faut pas manger trop de chocolat, après on aura mal au ventre, hein. Ouais. Parce que sinon... Un petit peu de chocolat, hein, pas trop. Hein. Non, que 2 ou 3 de chocolat. Mais on a le droit d'en manger quand même. Ouais, parce que les chocolats, c'est bon. Hein, clairement. Bon, du coup, je sais plus à chaque fois où j'en suis. J'étais en train de vous dire quoi, je me rappelle plus du coup. À chaque fois, ça croire qu'elle le fait exprès, à me couper. Hein, ça, une petite merdeuse. C'est quoi? Tu vois? Ah, c'est le papier qu'il y a dedans pour protéger, il faut que tu l'enlèves. Regarde s'il y en a dans l'autre. Il n'y en a pas? Et du coup, je sais plus ce que je suis en train de vous dire. Ouais, et du coup, Mel, elle voulait à tout prix que j'achète une robe. Et je vous l'ai dit, qu'elle en a 50 000, bref. Et du coup, mon frère, il lui a dit oui pour la soirée pyjama, donc... Tu vas mettre quel pyjama? Tu sais? N'importe, je sais pas, moi. Ah, tu vas mettre les chaussons. Tu vas mettre les chaussons là, du coup. Ouais. Tu vois, avance. Tu vois. Voilà. Tu vas mettre ça pour aller chez mamie. Ouais. C'est beau. Et voilà. Et du coup, quand Chouchou est rentré, j'étais en train de finir de détacher les chaussettes là et j'ai lancé. J'ai fait partir ma machine. Et ensuite, Chouchou a pris sa douche. On a fait planning de repas. Alors, c'est toujours un casse-tête. Parce qu'en fait, on voulait faire un drive. Parce que vous savez qu'au drive, au moins vous êtes moins tenté, machin, bref. Mais il n'y avait rien. Je trouvais pas tout ce que je voulais sur Leclerc. J'ai regardé sur Picnic, mais pareil, même sur les deux, j'arrivais pas à trouver exactement ce qu'il me fallait. Donc c'était chiant. J'ai dit, je me prends pas la tête, je m'en vais en magasin, mais je mets tout en fait quand même dans les drives à peu près, même si c'est des marques beaucoup plus chères. Après, moi là, je gère dans le magasin. Donc, bon, comme d'habitude, on essaye de. Enfin, comme je vous ai dit depuis le début de mois, on essaye de. On voulait faire 150 euros de courses par semaine et ne pas dépasser. Je vous ai dit, la semaine dernière, on a dépassé de 20 euros, je crois, parce que j'avais pris tout le café du mois et tout. Et je sais plus, autre chose, je crois. Bah, après, c'était le café à Chouchou. Bref. Et là, en fait, j'étais arrivée quasiment à 200. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, on a changé des repas, en fait, parce qu'on avait prévu une raclette, mais ça revient cher avec la charcuterie, le fromage et tout. Ça revient hyper cher. Donc, on l'a enlevé, on a changé. On avait prévu des boules fromage avec la salade, mais pareil, les fromages, vu les prix, on l'a enlevé, on a changé. Ça a été un casse-tête. Et puis, on dépassait encore de. Je crois qu'on dépassait encore de 30 euros, un truc comme ça. Et j'ai dit à Chou, bah après on verra en magasin, parce qu'il y a des choses qu'on va trouver beaucoup moins chères en fait. Donc du coup, en magasin, bah, j'ai pris, genre comme les boissons, j'en ai pris beaucoup moins qui étaient prévues. Vous le verrez dans le retour de course, mais c'est pas grave, je vous le dis, oui. Genre le Pepsi, en fait, au lieu d'en prendre 12, j'en ai pris que 6. Pareil, le cola, au lieu d'en prendre 12, j'en ai pris que 10. Enfin, vous voyez, j'ai réduit les quantités. Et après, il y a des choses qu'on avait. Après, il y a des choses qu'on a pris moins cher. Mais il y a des choses, genre comme les pizzas,
De base, les pizzas genre chorizo, chèvre et tout, on prend la marque Repère. Mais il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait que du Sodebo. Donc ça, c'est beaucoup plus cher aussi, mais bon. Voilà. Et ensuite, je sais pas, parce que même la viande que j'ai pris, vous verrez dans le retour de course, elle m'est revenue moins chère que ce qui était noté sur le drive. Tout ce qui était pommes de terre, lait, tout ça, j'avais déjà calculé. Donc, mais on en a eu pour plus quand même que prévu. On a dépassé le budget de 36 euros, je crois. 186. Bon, après, c'est toujours mieux que les mois d'avant à 250, voire 300 des fois par semaine. C'est ce qu'on faisait avant. Donc, c'est sûr que c'est toujours mieux. Mais voilà, quoi. On essaye de. C'est pas grave, hein. On verra les semaines d'après, quoi, du coup. Donc, là, le retour de course que du coup, je vous ai tourné aujourd'hui. Donc, on est vendredi 7. Vous allez avoir le retour de course le lundi 17 seulement. Donc, quand vous allez voir le retour de course, bah, les repas, je vous les aurais déjà dit aujourd'hui. Et ça fera déjà plus de 10 jours que ça sera fini. Donc, j'aurai déjà refait des courses et déjà refait des plannings. Donc, voilà. Hein. Vous allez avoir un retour de course. Mais, du coup, dans 10 jours. Ouais. Dans 10 jours, vous aurez le retour de course que j'ai fait aujourd'hui seulement. Donc, je vais vous donner le planning des repas. Là, du coup, en fait, j'avais plus de batterie encore une fois parce que j'ai regardé. Bah, je suis partie au magasin sans mon téléphone. Je suis arrivée pas loin de chez moi au stop. J'ai dit à Christophe, j'ai dit je suis pas bien, j'ai oublié mon téléphone. Il me dit bah c'est pas grave, tu peux t'en passer. Je dis non mais je peux pas partir sans mon téléphone de base, c'est pas possible. Donc je lui dis t'as le tien, il me dit bah ouais, je dis t'es sûr, t'as de la batterie, il me dit ouais. Bon bah c'est tout, hein, je vais pas refaire demi-tour. Et Camille a appelé, d'ailleurs on était pas très loin. Elle dit bah maman elle a rien oublié. Je dis si j'ai oublié mon téléphone, je le sais. Elle dit bah tu fais pas demi-tour. Bah non, c'est bon, tant pis. Pour 1 heure, on va s'en passer. Mais si, c'est fort quand même, chérie. J'ai bientôt fini mon cœur, s'il te plaît. Voilà, donc du coup, ouais, je l'ai oublié. Et du coup, ça m'a fait bizarre. Parce que moi, partir sans mon téléphone, c'est pas trop. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc je l'avais laissé brancher de toute façon parce que j'avais plus que 24%. Donc voilà, il fallait que je fasse le retour de course. Donc dans un sens, au moins, il a eu le temps de charger. Sans l'air. Et t'as l'air fatigué, mon cœur. Bah oui, il faut faire dodo, ma chérie. J'ai toujours mal là. Ça, c'est ah, c'est parce que chiant. je suis levée de bonne heure. Et du coup, bah ouais, mon cœur. Moi aussi, t'inquiète, je vais vite dormir. Et du coup, bah, je vous ai fait le retour de course et tout. Et après, j'ai regardé des vidéos. J'ai regardé le retour de course de Indonanou, du coup. Donc Emmanuel qui nous a offert le colis. J'ai regardé Hello Famille. Pas la dernière, l'avant-dernière. La dégustation qu'elle a faite. Et j'ai regardé quoi encore? J'ai regardé une autre vidéo, il me semble, je sais plus. Enfin bref. J'ai regardé des vidéos, bah, le temps qu'on mange tout ça. Donc ce soir, on a mangé. De base, on devait manger riz poisson. Et pour encore faire des économies, Chouchou, il dit, vu qu'on a déjà le riz poisson, on le garde pour vendredi prochain. Et vu que là on achetait, ben, dans les courses, c'était prévu qu'on achète des œufs, du thon, je vous avais montré, j'en avais acheté plein à Auchan. On avait encore un sachet de tomates complet. J'ai été juste chercher des baguettes à la boulangerie, donc 3 euros, 3 baguettes. Et j'ai acheté une laitue. Et comme ça, on a mangé en fait ben, comme des pain bagnon, mais en baguettes en fait. Donc du pain, du thon, des œufs durs, de la salade, tomates. Puis voilà, c'est très bien. Puis ça revenait moins cher du coup que de racheter la semaine prochaine du poisson et tout qui coûte plus cher. Des abonnés qui veulent toujours que je sois un ami avec eux pour les appels? Non. À chaque fois, il y a des gens qui m'envoient des messages. Non, ma chérie, c'est pas ça. Sur quoi? Non, ça c'est parce que c'est sur Snap. On lui avait installé Snap. Vous vous rappelez, je vous avais dit parce que dans sa chambre, quand elle dormait dans son lit comme ça, elle m'appelait en restant en vidéo. Et du coup, en fait, elle a toujours des ajouts d'amis en fait. Il ajoute et tout. Chaque fois, je lui dis, t'acceptes pas. Et du coup, ça sonne tout le temps, le snap. C'est chiant. C'est chiant, ouais. Et voilà. Donc, je vais vous donner la liste des repas. Donc, ce soir, on a mangé ça. Donc, demain, samedi 8 avril, ça sera frites cassoulet le midi. Donc, Chouchou, il travaille. Donc, je vais préparer les frites avant qu'il arrive. Et puis, voilà, le temps qu'il prenne sa douche. Après, on pourra manger.
Au soir, bah, du coup, pas de repas de prévu parce qu'on a invité du coup pour l'anniversaire de mon frère, donc on mange chez ma mère. Est-ce que je peux avoir tout le temps? Tu laisses à 9h. Tout le temps. Tu laisses à 9h quand même. Mais ce matin, je n'ai pas entendu sonner à 9h. Ben, moi, j'ai entendu. Ah, c'est normal qu'il n'y a pas sonné. Quoi? C'est... Pff, je dis, il n'y a pas sonné sur le réveil ce matin. Je l'avais mis à 9h, il n'y a pas sonné. Ben ouais, c'est normal. Regarde, on a couché que samedi et dimanche. On n'a pas couché tous les jours. Là, il va sonner demain. Ah, demain. C'est pour ça qu'il n'a pas sonné aujourd'hui. On n'a mis que samedi et dimanche. N'importe quoi. Sinon, on met un réveil le samedi et dimanche. Donc, voilà, pour demain, il faut que tu cliques sur le réveil. Non, tu cliques. Merci. Ouais. Voilà. Et tu vois, tu peux choisir les jours où tu veux que ça sonne. Si tu veux, tu coches tout. Donc, dimanche 9 avril, on va manger des pommes de terre oignons avec du filet mignon. Et des champignons, certainement. Voilà. Le midi est toujours comme... C'est bien comme ça. Comme toutes les semaines. C'est bon, mais après on peut faire ça. Et après tu fais... Bah tu... Ouais, tu quittes. Et pain soupe du coup le soir. Lundi 10 avril, on va manger pizza flamène le midi. Spaghetti boulette le soir. Mardi 11 avril, ça sera pas de jambon le midi. Et quiche salade. Donc quiche maison. Hein. Quiche salade le soir. Donc je devrais racheter une laitue quand même pour mardi. Mercredi 12 avril, ça sera crêpe farcie le midi et pâte carbo le soir. Jeudi 13 avril, ça sera frites hamburger le midi et hachis parmentier le soir. Donc pareil, hachis parmentier maison, pas qu'on achète. Et vendredi 14 avril, ça sera pommes de terre aux œufs le midi et riz poisson le soir. Mais Liana, ton son, s'il te plaît. Elle est sourde, ma fille, je crois. Voilà les repas jusqu'au 14 avril. Du coup. Et aujourd'hui, bah, normalement, je vous avais expliqué hein, qu'il y avait foot de 17h10 à 18h20, comme tous les vendredis. Ouh, je perds le. J'ai pas bu, je vous jure, j'ai pas bu. Donc, il y avait foot de 17h10 à 18h20, comme tous les vendredis. Mais j'ai reçu un message de l'entraîneur. À quelle heure il m'a envoyé le message? Il me l'a envoyé avant qu'on part en course. On est parti en course avec Chouchou à 17h. Donc il a dû me l'envoyer vers 16h pour me dire qu'il a annulé l'entraînement pour souci personnel. Donc voilà, bon week-end. Du coup, Alexis, il était pas content, mais bon, ça c'est peu, je dis pas rien, hein, c'est ce que je lui dis. Je dis, bah, Anthony a eu, voilà, il, Anthony du coup, chaque fois je vous dis l'entraîneur, il y a un souci, ben voilà, ça arrive. Hein. Donc bon. En même Camille, en plus Camille, elle en rajoute. Qu'elle lui dit c'est pas vrai en fait Anthony il a même pas envoyé de message c'est eux qui veulent pas y aller machin. Du coup il me regarde tout bizarre, je dis non mais je peux te faire voir les messages hein. Je dis écoute pas ta soeur, elle fait exprès pour t'embêter. Je dis non il y a pas faute, c'est tout. Et puis de toute façon demain il y avait pas de match, c'était déjà prévu qu'il y avait pas de match, donc voilà. L'entraîneur il a même dit, je vous en avais pas parlé je crois, je sais pas si c'est la semaine prochaine, je m'en rappelle plus, faut que je redemande à Chou. Je crois que c'est la semaine prochaine qu'on va devoir ramener le survêt du club. Parce qu'ils vont les faire floquer, c'est comme ça qu'on dit. Donc mettre leur prénom en fait sur le pantalon et le maillot. Et on aura une réunion avec lui du coup, mi-mai normalement, pour l'année prochaine. Parce qu'en fait, Alexis, ben, du coup, comme il est de 2010, il passe en U14. Ouais, donc les U14, U15, et c'est lui qui les a. Donc Alexis, bah, il va aller avec lui. Du coup, il sera plus avec l'entraîneur qui est arrivé en cours d'année. Il retourne avec celui qu'il avait en début d'année. Et du coup, il va faire une réunion par rapport à ça. Parce que du coup, bah, il change de catégorie. Et l'année prochaine, du coup, même les matchs et tout, ça se joue plus sur demi-terrain, mais sur terrain complet, sur les grands terrains. Donc ça va être très très compliqué. Donc il va faire une réunion mi-mai. Et à partir de fin mai, il aimerait déjà en fait commencer déjà là, à partir de fin mai, aller prendre. Donc là, ils ont entraînement le mercredi, ils ont entraînement le vendredi, et normalement, ils ont match le samedi. Et lui, il les prendrait en plus le jeudi soir pendant une heure pour s'entraîner sur le grand terrain. Donc voilà quoi. On ira une journée de plus au foot. Hein ? Bon, après, ça me dérange pas. Hein. Moi, le temps que ça plaît à mon fils, c'est le principal. C'est parce que bon, l'hiver et tout, c'est un petit peu chiant quoi. Il fait froid. Sinon, perso, je m'en fous d'attendre une heure et demie là-bas, c'est pas grave. Tant que je regarde mon fils, moi, ça me dérange pas. C'est juste, voilà, quand il fait très froid, je déteste avoir froid, donc... Walou,
Est-ce que je voulais... Oh, quand j'avale, je vous jure, ça me fait trop mal, là. Mais j'ai dit à Chouchou, il y a 2-3 jours, j'avais attrapé mal à mes gencives. Alors, est-ce que ça n'a pas un rapport? Je sais pas. C'est chiant. Je vous avais dit que je devais voir mon médecin pour un papier et qu'elle devait revenir normalement fin de semaine ou début de semaine prochaine. Mais au final, elle revient que le lundi 17. Donc, la semaine encore d'après. Donc j'ai demandé si son remplaçant il pouvait me faire le papier. Elle m'a dit bah normalement non, c'est que elle qui peut le faire. Elle dit mais sinon lui peut peut-être vous le faire, mais il faut prendre rendez-vous avec lui. J'ai dit bah mettez-moi un rendez-vous, puis c'est tout. J'irai le voir lui, hein. Donc bon, c'est un peu bête parce que c'est prendre la place de quelqu'un qui peut être malade juste pour un papier, c'est un peu dommage quoi, mais bon. Et en plus du coup elle m'a donné rendez-vous le mercredi alors que normalement mon médecin ne reçoit jamais le mercredi. Donc lui apparemment il travaille quand même le mercredi son remplaçant. Donc j'ai rendez-vous mercredi matin pour juste un papier en fait. Donc c'est pareil, je vais devoir me lever plus tôt et tout pour aller chercher un papier. En espérant qu'il me le fasse parce que sinon je m'aurais déplacé pour rien. Sinon, est-ce que j'avais encore... Oui, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai plein de choses à parler, voilà. Aujourd'hui, on a testé, donc je vous ai montré. Non, je vous l'ai montré, ouais, je l'ai filmé. On a testé donc le... Mustela. Mustela, vous devez tous connaître l'odeur Mustela, c'est l'odeur de bébé. Alors, déjà, comme je vous expliquais dans le colis, donc c'est pas, vous savez que je suis quelqu'un de très franche, très simple, mais très franche. Voilà, si ça me plaît pas, je vais le dire, je m'en fous hein, carrément, sans forcément blesser les personnes. Hein, voilà, je sais dire gentiment, mais je dis ce que je pense. C'est comme ça. Et là, franchement, on a testé le Mustela, on a mis que la moitié. On voulait tester que la moitié parce qu'en fait, comme j'essaye d'en piquer à Camille, ouais, trop belle. Comme j'essaye d'en piquer à Camille, du coup, elle a mis la moitié comme ça, elle la garde l'autre moitié dans sa chambre. Mais moi, j'aime pas trop quand elle filme, j'allais dire, quand elle brûle dans sa chambre parce que bon, j'ai toujours peur quand même, mais bon, je lui dis toujours faire attention. Donc là, elle a mis la moitié du Mustela, donc on a commencé à l'allumer tout ça. Déjà, quand on l'a sorti du paquet, ça sentait déjà fort, voilà, le Mustela. Et quand il a commencé à fondre du sang, on commençait déjà à bien le sentir. Et après, moi, je suis partie dans le salon pour aller manger. Je dis, on verra bien si, voilà, du coup, l'odeur, elle se diffuse dans les autres pièces. Et puis, si ça sent bon quand c'est brûlé, tout ça. Et en mangeant dans le salon, du coup, bon, j'ai pas des grandes pièces non plus, hein, je vais pas abuser, mais je veux dire, en mangeant dans le salon, donc là-bas quand même, le brûleur, il était là. L'odeur elle commence à arriver quand je mangeais. Je dis à Camille, si tu le sens, si l'odeur elle arrive, ça sent bon. Et C'est moi. ben ouais, je l'ai vu, hein. Mais c'est bizarre. Pose ton téléphone plus haut, ça sera peut-être mieux. Je peux pas. Ben si, il faudrait que tu essayes de le poser plus haut. Faut que je l'efface. Non, t'es pas obligé de l'effacer. Si. Et quand je suis revenue dans la cuisine, alors par contre, dans la cuisine. Ça sentait hyper fort le Mustela, ça c'est clair. Mais je touche du bois, je touche du singe, hein. L'odeur, c'est vrai qu'elle était, c'est pas grave, c'est des poils. L'odeur, elle était quand même forte. Mais moi, je vous ai dit, en principe, les trucs là, ça me donne mal à la tête. Surtout les odeurs fortes et tout. J'aime bien, hein, mais ça me donne mal au crâne. J'ai pas eu mal à la tête. Je l'ai laissé 1 heure allumée, pas plus. J'ai dit 1 heure, rien assez. Désolée. J'ai dit ok, je crois. J'ai laissé 1 heure allumée. Je fais tout en même temps. Je vais avoir le ok, je vais bailler. Je l'ai laissé 1 heure allumée. Et franchement, ça sentait super bon. Donc, juste que mon. Bah après, j'ai pas été dans la salle à manger quand il était allumé. Parce que j'ai été manger à ce moment-là. Mais du coup, dans mon salon, bah, l'odeur, elle arrivait tout doucement. Elle était légère du coup et tout, mais ça sentait vraiment le Mustela. Dans la cuisine, par contre, ça sentait super fort le Mustela, mais l'odeur elle donnait pas, voilà, elle donnait pas mal à la tête. Ça sentait trop bon en fait. Je suis pressée de qu'elle me donne la moitié du cola et de l'assouplissant. Mais même là, hein, là on le sent comme ça sent Comme trop ça, bon. c'est bon. Du coup, je lui ai envoyé un message hier pour lui dire que j'avais eu son colis, puis après pour la remercier tout ça. Et puis là, du coup, je lui ai dit que je voulais mettre un avis sur sa page. J'aurais pas aimé, j'aurais pas mis d'avis en fait. J'aurais pas été dire. Enfin, je suis pas une personne qui va aller dire. Je dis ce que je pense, mais je veux dire que je suis pas une personne qui aurait été dire. Oh, j'aime pas, ça pue, ou ça sent rien, machin. Non, je préfère rien dire, je me pose, j'aime pas, bah c'est tout.
je recommanderai pas la personne, mais je mettrai pas d'avis négatif non plus, parce que je suis pas quelqu'un de méchante. Je suis pas comme ça. Mais ben, quand on aime bien, parce que quand on aime pas, la plupart du temps, les gens ils sont toujours en train de dire voilà, ça va, ça va pas, c'est pas bon, moi, t'as fait ça, machin. Mais quand c'est positif, il faut savoir le dire aussi. Donc, ben, moi, là, franchement, j'ai aimé le Mustello, donc j'ai été mettre un avis positif sur sa page Facebook, du coup. Et je lui ai dit, je te dirai quoi pour les autres odeurs. Après, il y a peut-être des odeurs que j'aimerais pas ou que j'aimerais moins, et ça, je lui dirai. Hein. Je pense qu'elle préfère que je sois honnête avec elle aussi. Après, de toute façon, on n'a pas tous les mêmes goûts hein, dans la vie. Donc peut-être, je sais pas, je dis une connerie, mais peut-être l'odeur banane, je vais adorer, puis vous allez détester. Je dis banane, je sais pas pourquoi. Hein. Ça serait si ma soeur, elle regarde ce blog, elle va me dire, bah, ça pue, elle aime pas. Elle déteste l'odeur des bananes, elle déteste les bananes. Elle peut pas, ça peut la faire vomir, l'odeur de banane. Je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Donc, mais là, franchement, les odeurs qu'on a choisies, bah, j'ai choisi la moitié, Camille a choisi l'autre moitié parce qu'elle savait pas lesquelles prendre au début, donc c'est moi qui avais choisi. Elles sortent super bon. Après, il y en a que voilà, peut-être on va peut-être moins aimer certains, mais voilà, faut les tester les odeurs. Puis peut-être que non, peut-être ça sera. On verra par la suite. Voilà, vous voulez un retour de fondant, en tout cas le Mustello il sent super bon. Toute ma cuisine, bon, vous connaissez mes pièces, toute ma cuisine elle sentait hyper fort. Dans le salon, on avait l'odeur de Mustello légère qui arrivait et tout. C'est agréable en fait. Donc voilà. Voilà pour le retour de fondant. Moi, le parfum, franchement, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous dis, je suis pas fan. Je suis pas une grande fan de parfum. Moi, un parfum, on va m'en offrir un. Si j'aime bien l'odeur, bon, bah, c'est tout. Je suis pas une. Je suis pas du genre à vouloir des parfums de marque, machin et tout, je m'en fiche en fait. Mais là, ils sont super bons, franchement. Ça fait 2 jours que j'en mets. Hein. Sinon, si sentirait pas bon, je le mettrais pas. Clairement. Il resterait dans le tiroir et au bout d'un moment, soit je le donnerais à Camille, soit il resterait dans le tiroir. Bah oui, tu vois bien mon cœur. Donc voilà, bon. Je vais vous laisser parce qu'il est tard quand même. Ouais. Il est passé 23h, donc on va y approcher même minuit. Je suis fatiguée, ouais. Moyen. Moi, il fatigué. On va aller se coucher, mon cœur. Par contre, à la fin, faut me voir, non, pour faire des trucs. Pour faire des trucs à la fin, comme. Ah non, pas encore ça. Hein. Ça suffit, hein. Et voilà. Du coup, monte. C'est tout. Est-ce que j'ai encore des choses à dire? Tant qu'à faire, ça fait une demi-heure que je parle. Moi je vais arrêter parce que là, le vlog, il va durer longtemps. Et après, je galère à les monter. Donc vous avez pu remarquer qu'aujourd'hui... À la fin, on doit faire des trucs. 2 minutes. Vous avez dû remarquer qu'aujourd'hui, donc vendredi, vous avez eu que le vlog, vous n'avez pas eu d'autres vidéos, parce que me restaient les 2 vidéos d'1 heure, comme je vous ai dit, et j'avais pas le temps de les remettre sur mon téléphone, de faire le montage. Voilà. Donc ça, je le ferai plus tard. Si j'ai le temps demain, tant mieux. Si j'ai pas le temps, parce que à partir de... Je sais que j'ai la journée, mais je veux dire déjà demain matin, je traîne dans mon lit. Pas dans mon lit, dans mon canapé. Oui, je rentre dans mon canapé. Parce que j'arrive pas à dormir dans mon lit, et je sais pas pourquoi. Même Chouchou, il me dit, bah, on est quand même beaucoup mieux. Je dis, bah, ouais, c'est mieux d'être dans son lit, mais je n'arrive pas. J'ai passé une nuit, mais horrible. Donc, bah, moi, je reste dans mon canapé. Une nuit, mais trop bien. Et... Ouais, donc demain matin, je dors. Voilà, ça c'est clair. Après, je traîne. Oh, il fallait prendre un bon bain ou une bonne douche. Maintenant? Non, demain matin. Maman, tu sais pourquoi le produit s'est mis en route, ça sent fort. Ah, c'est pourquoi je dors jamais dans ma chambre. Pourquoi? Parce que mon lit n'est pas assez grand. Oh, t'as toujours une excuse. Il faut vraiment un lit qui a de place. Oui, mais tu crois qu'il y a de la place dans ta chambre pour mettre un lit de place? Juste un lit petit, un peu comme ça. Il y en a pas. C'est soit un lit comme toi, soit un lit comme papa et maman. Un lit comme papa et maman, ça va être trop grand. Bon, allez, je vais vous laisser parce que, au pire des cas, si j'ai oublié de vous dire des choses, je vous les dirai demain. Parce que... Donc, demain, parce que je vais vous filmer pas grand chose parce que c'est samedi. Non, stop. C'est samedi et comme je vous ai dit, je vais traîner au matin et tout, donc il n'y aura rien de spécial à filmer. J'aimerais bien aller comme toi et papa, mais un peu petit.
Et avec Mel, je vous jure, si j'écoute Mel, tous les jours je fais des commandes. Tout à l'heure, tu m'as demandé quoi encore? Hier, tu m'avais demandé une robe pour l'anniversaire à tonton, ou avant-hier, je ne sais plus. Et tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce qu'il existe des costumes de... Voilà, vous voyez, elle me demande des trucs, mais elle se rappelle même plus. Tu m'as demandé tout à l'heure un costume, de regarder pour des costumes de je sais plus quoi. Voilà, elle sait plus. Donc en fait, elle m'aurait fait acheter... Imaginez que j'aurais acheté le truc, elle se rappelle même plus. Donc en fait, tu me dis des trucs, mais tu t'en fous, t'aimes pas. Je m'en souviens plus. Dans les magasins, ça a l'air tellement beau, mais sur moi, ça fait beau. Non, tu m'as pas parlé de vêtements, tu m'as parlé d'un costume. J'ai jamais aimé. Bon, ouais, du coup, demain après-midi, je pense que Chouchou il va se reposer. Bah, les courses elles sont faites, donc je suis tranquille. Action pour l'instant, j'ai Maman, pas besoin on d'y dort aller. Donc encore en haut ou en bas? voilà. En haut C'est ou le en bas? contraire. Tu as dit en haut ou en bas? Non, c'est le contraire. En bas ou en haut, on dit. En bas? Et au soir, bah, c'est la soirée de l'anniversaire. Donc j'essaierai peut-être de vous filmer un petit peu l'anniversaire à mon frère, mais je suis même pas sûre. Donc peut-être que je vous vloguerai même pas Par demain, je sais pas. On contre, verra ça. il faut me rappeler. Donc, je vous fais des gros bisous. Il y en a une, elle a dit gros bisous baveux. Amélia, non, parce que tu t'avais dit ça. C'est toi qui l'avais dit, du coup, elle t'a dit bah gros bisous baveux. Petit cochon. Je vais t'appeler petit canard maintenant. Et petit canard. Elle avait même déjà donné un nom à un canard dans le parc. Oui, j'avais appelé Bobby. Bobby, voilà. Il y avait Bobby le canard. Et il y avait un autre qui s'appelle Ça se rappellera peut-être comme ça le vlog. Bobby? Bobby le canard. Pas parce qu'on a le téléphone avec Voilà. Bobby le canard. Bon allez, on vous fait des gros gros bisous et on vous dit à demain pour Pour les gros le... bisous, ma fille. Attendez, on est quel jour? On est vendredi, vous allez avoir ce vlog dimanche soir. Donc on vous souhaite une bonne semaine. Un bon lundi de Pâques. On espère que vous aurez eu des bons chocolats et que vous n'en aurez pas mangé de trop. Et on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à demain pour le retour de course. À mardi pour le prochain Bonne nuit. Bonne nuit, je te dis bonne nuit. Je te dis bonne nuit. Bonne nuit.